C'est beau, hein? Je suis jamais venu ici. Donc, nous sommes au palais de Lomé. Oui. Et nous sommes en train d'un artiste congolais. Il s'appelle Sadiko Mupedro. Ah bon. Ok. Donc, là, nous sommes au niveau de la savane herbeuse, en fait. Ok. Donc, on a un parc de 11 hectares en plus du palais. Ok. Derrière, nous avons un jardin potager, c'est la savane herbeuse. De l'autre côté, c'est la forêt dense. Ok. Et cette partie est accessible au public pour la visite. Et là, c'est une œuvre d'un artiste togolais. Mm-hmm. Il s'appelle Sadiko Mupedro. D'accord. Donc, il a sculpté ici pour le palais, pour la rénovation en 2019. D'accord, c'est bien. On y va. Ok. Donc également on a la chance ici d'apprécier mm-hmm. la visite des oiseaux. Donc, ok. Des oiseaux qui arrivent. Ok. Je disais qu'on a la chance d'apprécier la visite des oiseaux ici. Mm-hmm. On a fait une petite étude et on a observé plus de 40 espèces d'oiseaux dans le parc ici. Okay. Et quelles sont ces espèces? Ils viennent d'ici et d'ailleurs, il y a des oiseaux migrateurs. Et la directrice est en train de faire un petit carnet en document sur ces oiseaux. Ok. D'accord. C'est bien. Cariota. Métis. Nous sommes dans la zone des palmeraies. Ouais. On a les différentes sortes de palmiers, du Togo d'ailleurs. Donc c'est juste pour vous montrer cette espèce. Ok. En fait, on a regardé la biodiversité. Mmh. Quand on était là, pour je veux dire le palais, quand ils ont commencé les travaux, il y avait beaucoup d'arbres ici. Ils ne voulaient pas les couper. Ok. Raser. Okay. Ils voulaient garder l'espace végétal qu'il y avait ici parce qu'il y avait un ensemble de biodiversité, si je peux dire ainsi, ici. Donc, ils ont gardé, ils ont juste réaménagé et planté d'autres arbres. Ok. Ah, c'est bien. Ils ont très bien fait. Là, c'est Patrice de Femme.
une fleur qui a pour particularité de pousser de couleurs rouge, rose et blanche. Ah bon? C'est à cause de la diversité de De ces la couleurs qu'on diversité de ce appelle coup. la prise de preuve. Elle change de Ah. couleur. Mais si c'est beau, c'est un beau coin, c'est romantique. Tu as même ta Dulcinée ici, elle va vous causer vraiment, Oui. elle va vraiment aimer. Hein. C'est possible aussi de faire des pique-niques dans Dans le le parc. parc. Ah, ok, là c'est bien. Donc là, c'est le village des Claires. Mmh. Donc après, je vais te montrer les photos du bâtiment. D'accord. Il y avait les pierres. Après, on a commencé les travaux. Il y Oui. avait des pierres devant le bâtiment un peu partout. Ok. On ne voulait pas les jeter en fait. Hmm. Donc la directrice avait demandé qu'on les entasse quelque part ici ou Ok. quelque part caché dans le parc. C'est les jardiniers qui ont eu l'idée de faire ce petit village de pierre. Donc c'est en fait une table avec les sièges autour. Je Donc il y a une vois. table ici, donc les gens s'assoient Ça sort autour de tout. boivent peut-être du rhum C'est vraiment ou bien créatif. voilà. Donc c'est les jardiniers qui ont eu l'idée, ils ont L'idée. fait ça. Ah, Aussi c'est avec les pierres du bâtiment. cool. Ils sont très forts. Et là, c'est la butte au cactus. Il y avait déjà une pente ici parce Mmh. qu'ils ont commencé les travaux de rénovation. Donc, ils se sont demandé qu'est-ce qu'on peut faire avec cette pente? Est-ce qu'il faut laisser comme ça? Donc, ils ont décidé, toujours avec les pierres du bâtiment, de faire cette butte au cactus et aux succulentes. Également, lorsqu'on reçoit des élèves, on a des visites pédagogiques également. Lorsqu'on Ok. reçoit des élèves, on leur apprend l'utilité des cactus. D'accord. Ah, c'est cool. Il n'y a pas de restaurant, de petit quoi, fast food. Pour le moment, le restaurant n'est pas encore prêt, Mmh. mais nous avons un petit gastro, des noix de coco, du jus et de l'eau. Mmh, ok. Ouh. Quelle beauté! Donc ici, l'idée en fait était de rassembler presque toutes les espèces du Togo du nord au sud du pays. L'espèce végétale en fait qui est au nord et au sud du pays. Et également un peu d'ailleurs. On a pioché également un peu de l'extérieur. J'ai tenté de filmer un peu tout autour là. Donc la pente ici avec la butte aux succulents, l'idée également c'était de faire une petite représentation d'une petite montagne et de l'élévation de terre en fait. C'est du boulot, hein? Échinopsie rachanui Faut lire le nom, c'est cactus San cactus San Pedro. Pedro. Oui, c'est-à-dire que ça vient de San Pedro. Ah, ça vient de San Pedro. Ouais. Ok. Le San Pedrovic. Ok. D'accord. Pour faire les nattes. Mmh.
Avec son frère, les Nats. Ça, c'est les nénuphars. Les nénuphars. Oui. Les grenouilles aiment se poser dessus pour sauter. Ça, ça pousse aussi des fleurs. Ça, c'est le papyrus. Ah, le papyrus. Le papyrus. L'ensemble forme les mangroves. Ah, ok. Vous avez créé une biodiversité naturelle. Ouh, c'est bien joli. C'est bon. Obvious. Il y a un poisson chat là. Ce sont des silures. Waouh, je vois. Il y a un également ici. On peut prendre ça pour plaisir, non? Tu es touché. Attention à tes joints, ça peut te ah bon? Montrer, oui. Ça mord terriblement. Ah, non, pas terriblement, mais elles ont des dents. Faut faire attention. Tu peux le faire, pas que tu ne peux pas, mais il faut faire attention. Voilà. Tu le vois. Tu peux filmer. Ouais, je suis en train de filmer. oui, ils sortent. Les enfants aiment ça. J'espère qu'ils vont sortir comme ça quand les enfants vont arriver. Oh, c'est très beau. Vous sortez vos bouches. Hey, regarde. Ils sortent leurs bouches. Ils attrapent. En fait, c'est pour leur donner à manger. Quand t'apportes un peu, ils sortent. Ouais, ils sortent. Ils pensent qu'on va leur donner à manger en fait. Alors que non. Non, ils ont des dents spéciales pour manger. Pour manger. Ils sont pleins de dents comme ouais, ça. Dans les trois massins. Alors que non, c'est juste pour que vous sortez, on va vous filmer. Ah, c'est beau à voir. Là, c'est la fontaine. Ouais. Il existe depuis l'époque allemande. D'accord. Attends, je vais te prendre une photo. C'est bon. Alors, rentre dans ça. Ça repart. Ça rentre, ça repart. C'est un système. C'est ingénieux. On croit que l'eau vient d'ailleurs, mais c'est juste un... un cycle. Ah, c'est bien, c'est beau. Après, on va rentrer dedans, non? Oui. Ils sont là. Ils sont là. Ah, ok. Oui, allô, il va le voir. D'accord, voilà. Ok.